Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti, on va bientôt partir pour explorer l'île. Je tiens d'abord à réagir vite fait à vos commentaires d'hier là. Oui, le petit dindon toxique. Oui, je vois que il est sujet de beaucoup de conversations. Je vois qu'il vous plaît bien. Après, bon, on pourrait peut-être oublier de le nourrir. C'est possible. Non, non, mais là, ce qu'on va faire en premier, donc on va aller sur l'île là maintenant tout de suite, et on va essayer de trouver de la terre pour agrandir un petit peu son enclos. Et si on trouve suffisamment de terre, on fera peut-être même la capture d'un deuxième animal. Mais dans un premier temps, on va aller tuer là le. Oh. Pour une fois que c'est pas la mouette. Il est là. On va aller tuer l'oiseau et le phacochère qui il traîne par là, il rôde aux alentours de la petite colline qui est juste là. Et au passage, on va couper quelques arbres, voilà. Bon, pour l'instant, on est plutôt sur la coupe des petits arbres qu'il y a près du radeau. On va vite faire le tour. C'est assez joli. Il est totalement différent de l'autre. Beaucoup de fleurs ici. Et le vilain là-bas, le bombardier. Ah mais c'est une biquette qui est là. Ouais, il y a une biquette là-bas. J'espère qu'elle est toute jeune. C'est pour ça qu'il y a des poissons. Ah oui, juste. On va Ok. devoir refaire des filets. Tu as pris ta pelle? Oui. J'ai du taf pour toi ici. Ah, ça c'est bien. Ouh, hé. Oh, regardez-le. Non, pas moi. Non, 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 non. Regardez-le. On voit pas grand-chose. Il se faisait soulever. Aïe. Non, pas moi. Sur démon, si tu veux, mais pas moi. Dans les fesses. Ah là. Aïe. Et l'oiseau. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Et l'oiseau qui vient défendre son pote. Ah, je suis pas bien là. Ouh, je suis pas bien. Est où? Vite, 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 à l'abri. Vite. Et le requin qui s'y met aussi. Il est venu défendre son pote. Ça, c'est la solidarité. Hein. Trop tard, quoi. Pour défendre son pote. Ah, oui. Vérifie. Ok, il y a encore à manger. Ah, pour la chèvre, la petite biquette, là, je sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Vous l'avez vu au niveau de la vidéo, elle avait à manger, et je ne sais pas. Et le pire, c'est qu'elle était vivante un tout petit peu avant, hein, juste au chargement de la partie. Donc c'est même pas un bug de chargement de partie, je ne sais pas. Juste morte comme ça. J'ai trouvé un coffre. Ah. Un campement caché. Attends, 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 j'arrive. Je te laisserai le prendre. Ça va. C'est parce que du coup, l'exploration, là. Ah, ici à la grotte, on va pouvoir trouver de la terre. Bah, c'est là que je me suis planqué de l'oiseau. Ah, ok. Oui, mais moi, j'étais vraiment très très mal. Moi aussi. Ok, ici un petit peu de terre. Voilà, ça fait déjà un carré. Magnifique. Ici, pas d'autres terres. J'ai ramassé les champignons déjà. Ah, ok. La terre ici et le coffre là-haut. Oh, bien, 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 magnifique. Il y a trois terres ici à ramasser. Ouais, et vu qu'on en a encore une sur le bateau, là, ça nous fait 3 carrés de plus. Ça va être bien, ça.
grimper là. Là, c'est pas tellement pratique. Un endroit pour sauter? Ah non, pas besoin, j'ai pris le coffre comme ça d'ici. Ah oui, ok. D'accord. C'est vrai, il était juste à portée. Je regardais pour sauter, moi. ici, rien du tout. Ok, sympa. Quelques petites galeries. Ok. C'est sympa la grotte en tout cas. Oui, très sympa. Et là, on ressort de l'autre côté de l'île. Très très sympa. Y a l'oiseau qui est au-dessus, hein, je te signale. Ah oui. Dis ça comme ça, mais. Si tu regardes le sol, tu vois tout de suite son ombre passer. je vois, je vois, je vois. Attends, il me reste combien de flèches? Ok, ça va. Ah là, on l'a bien vu là. On se fait bombarder, hein. Alors, où se cache-t-il? Je vais vous laisser l'exploration ici, puisque c'est une autre île très sympa. Eh, qu'est-ce que c'est? Il y a autre chose ici. Mais bon, il y a un autre truc ici. Oui. Attends, moi je suis en haut, je suis en train de combattre On l'oiseau. dirait un genre de lama. Ouais, c'est pour la laine. Sympa. Il y a un campement au-dessus aussi. Attends, j'arrive. Des cultures. Oh, waouh! Ah oui, sympa. Ah, ça, c'est vraiment cool, la manière dont c'est fait. Ça change. Il me reste de la place. Ah oui, c'est vraiment sympa, ça. Ah, j'aime bien la manière dont ils ont fait ça. Bah, vraiment qu'il y a eu un survivant ici, quoi. Si tu as de la Ah, place, j'ai plus de place. c'est quoi? Voilà. Les baies rouges, t'as déjà pris ou pas? Non. Ah oui, les baies rouges. Ok. Encore pour une autre recette, ça. Ça va, j'ai fait de la place. Et si on peut pas récupérer de la terre? Tiens, ramasser le morceau de bois. Très bien, ça. Ouais. J'avais à boire tout seul donc. Ok. Elle est vraiment bien, cette île. Ça change de nos petits îlots là. Hein. C'est clair. T'as de la place toi encore pour couper les arbres? Pour les arbres, non. Ah non, j'ai. Je vais vite redescendre jusqu'au bateau et je reviens. Voilà, on va faire ça. Bon, eh bien, écoutez, le temps de revenir au bateau, on était quand même de l'autre côté de l'île. En fait, du coup, on a traversé la montagne, on était de l'autre côté. Le temps de revenir et mettre les affaires dans les coffres, c'est déjà la nuit. Donc, avant de repartir, je propose, puisqu'on a récupéré 6 morceaux de terre, d'agrandir le petit enclos. On va faire ça tout de suite. Voilà. On fera 3 carrés de plus quand même. Alors, je pense que je fais ça, je les mets tous en longueur. J'hésite. On pourrait mettre un ici, voilà, on pourrait faire ça, hein, les trois comme ça. Ah, j'hésite vraiment. Faire encore deux comme. Enfin, je pourrais mettre un ici. Et là, on va être bloqué, je sais pas comment on va monter. Ah bon. Voilà, je vais le mettre là pour l'instant. Alors. Ouais, tu fais l'enclos autour et puis tu enlèves le mi. Ce que je ferais bien, Ou alors, attends. c'est essayer en corde. Attends. Fais ton enclos. Que tu vas Fais avec ton le toxique. Tu vas où? enclos. Ouais. Sortira pas comme ça. Attention où tu vas. Hein. Okay. Christophe, pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire près du barbecue avec toxique? Attention. Je te surveille.
Après ça, on va être maudit pour jusqu'à la fin. J'aimerais bien essayer avec les clôtures. On verrait peut-être mieux. T'as encore? Ouais. Oui. Je vais en fait casser ici. Ici aussi. Peut-être mettre des cordes devant et des barrières derrière. Si on donne à manger au requin, il sera peut-être gentil avec nous. Ah. Petit requin. Petit requin. Alors ça. Et là, je mettrai la porte où je fais la porte là. Donc, je vais mettre la porte ici. Alors, clôture. Tac. Voilà. Et le petit portail. Ah, il me faut des clous. Et voilà. On arrose, histoire de faire ça bien. Là, je pense qu'on va être assez bien. Je pense que cette fois-ci, s'il nous en voulait de quelque chose, il va nous pardonner là quand même. Ça fait quand même un petit enclos sympa là. Oui. Pas qu'il va sortir. J'hésitais en fait parce que je me rappelle pas. Auparavant, il y avait les clôtures et les barrières. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul type. Je me rappelle plus vraiment, mais avant. je pense qu'il n'y avait que les cordes. Oui, Et on mettait la volaille dedans. Donc. mais c'est pour ça que je n'osais pas trop mettre le poulet avec les cornes. J'avais peur qu'il passe en dessous, ce serait logique, quoi. Mais bon, là, c'est bien. Comme ça, on peut mieux le voir, mieux le surveiller. Allez, bah écoutez, on va attendre que le jour se lève et on va repartir explorer l'île. Hein. On a vu donc un petit lama, une petite chèvre, il y a encore l'oiseau à tuer, et puis bah, Dieu sait ce qu'il y a encore comme surprise sur cette île, ça a l'air vraiment sympa en tout cas. Bon voilà, petit matin, on est reparti. Hein. On va aller explorer ça. On devra trouver du coup des poissons, là, les poissons globes, pour pouvoir refaire des filets avec la petite charge explosive pour les propulser. Je pense qu'avec 5 carrés d'herbe, on peut se permettre de prendre un deuxième animal. Alors ce sera soit la biquette, soit le lama. Les deux, ça ferait beaucoup, je pense. Le lama, ça peut être bien, parce qu'il nous faut de la laine. Ce sera pour faire les armures. Attention, hein, on est pris en chasse. Hein. Les armures, c'est le cuir, normalement. Attention. Ah, le vilain. Qu'il est? Non, il y a un autre sanglier. C'est bon. Allez. Non, 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 non. Dans les fesses. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un deuxième. Voilà. Les flèches, attends. Il n'y a plus de flèches, du coup elles ont disparu. Si, il y a des flèches, hein, j'en vois 4. Ok. On va en prendre qu'une seule. Ah, je les voyais pas. Je pensais qu'elles avaient des pop dans l'eau. Elles étaient dans l'eau en fait. Dans la partie. Moi j'en ai eu une, je crois. On a eu qu'une aussi. Bon, attention, hein, du coup, deux sangliers sur la même île, ça c'est nouveau, ça. C'est très bien, du coup ça nous fait de la fourrure en plus pour faire les armes. Les cuirs, ouais. Le cuir, oui, c'est ça. Pour faire les armures et le sac à dos. Ah, le sac à dos, ça va être bien. Attention, l'oiseau. Est-ce qu'il se cache? Oh, ça va aller, l'oiseau. C'est toi qui l'as pris en grippe, pas moi. Aïe! Ouais, t'as raison. Que t'es, filou? Il vient même pas m'aider. Je regarde où l'oiseau se pose. Au-dessus, derrière. Super, c'est rien à faire là. Ok, je le vois, il est là-bas.
on a une belle petite vue ici, hein. C'est vraiment sympa. Bon, allez, cet oiseau-là, on s'en occupe. Touché. De une flèche. Plus que 15. Il met du temps à mourir, vraiment. Le seul moyen ou le meilleur moyen de le toucher, c'est quand il se pose. Ou quand il nous bombarde. Oh, je l'ai raté. Touché. Je l'ai touché. Non. Elle est où ma flèche? Normalement, elle est posée dans le sol. Nice, elle est là. Touché. Lui m'a raté, c'est bon. Et de 3. Ok. Alors, elle est où? Ah, il va se poser en haut. Alors, ça va, il n'y a pas ici. Non. Mais oui. Pilou. Allez, reviens. Ah non, là-bas en haut, on peut pas l'avoir. Récupère. C'est toujours compliqué de l'avoir, hein. Je sens que ça va prendre un bon bout de temps. Touché. Super. Attention, là, c'est toi qui l'attaques. Ah. Et où? Il vole. Ah voilà. Viens près de moi. Oui, t'as raison. Ah voilà. D'avoir les flèches. Regardez-le un petit peu. Attends. Regardez-moi ça, cet oiseau. Fameux, hein. Fameuse bête. Hein. Il reste la tête si tu veux. Va. Ah, il restait des morceaux de pilon aussi. Très bien, hein. On va pouvoir mettre la tête de hurleur. Ok. Eh bien, on va aller voir jusqu'en haut. Hein. Je crois qu'on ne peut pas monter ici. Tout juste. Ok, quelques arbres, deux, trois choses à récolter. On a pas mal de choses à faire. Eh bien, il y en a un paquet des arbres. C'est très très bien pour nous, ça nous fait un maximum de... Oh, encore des baies, magnifique. Je suis fou. On va voir s'il n'y a rien qui est tombé par terre. Non. Et encore un de plus. Vraiment très intéressante cette île, tout plein de ressources. Ok. Est-ce qu'il y a encore deux, trois choses ici? Et sinon après on va faire le tour de l'île dans l'eau, hein, chercher les poissons. Ici un arbre. J'ai déjà des graines. L'ananas, ça on s'en fout. Ok. Et voilà, on a à peu près tout récolté, je pense. On a fait le tour. On va redéposer tout ça ici dans le bateau. Toujours bien le petit toxique? Toujours bien. Oui. Alors,
chose. Ceci. Voilà. Une belle réserve de nourriture. Au niveau du bois et autres, on est vraiment top aussi. Les graines, bof, mais le bois, tout ça, on a de la réserve. On a de la marge, on va pouvoir continuer à construire. Ah oui, les têtes, on avait déjà une d'avant. Les têtes de poisson globe aussi. Il va falloir que je refasse bouteille d'oxygène et palme, moi, par contre. On va les fouiller. Ça va déjà être la nuit. C'est incroyable, ça va trop vite. Voilà. Donc. Bouteille. La matière visqueuse, il m'en faudra plus. Et ensuite les palmes. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous reprends au matin quand on fera le tour de l'île pour aller chercher les petits poissons. Et nous revoilà. Le jour se lève tranquillement. Alors j'ai pensé à quelque chose, c'est que on n'a pas encore. Ah non. Ok, encore, on n'a pas encore étudié le cuir. Et du coup, voilà, on va pouvoir faire le sac à dos. On va pouvoir faire le casque en cuir, l'armure et les bottes. D'accord. Il va nous falloir de la laine maintenant. Donc oui, je pense que le prochain animal qu'on va capturer sera le lama. Puisque là, on est obligé d'étudier la laine et puis d'en récolter un pour pouvoir faire tout ça. Le sac à dos va être vachement pratique parce qu'on a toujours un problème de place. On est vite full. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon poisson, c'est manger les mangues. On a coupé les arbres. On a fait un peu de farming encore pendant la nuit. Rapidement. S'occuper du requin et puis moi je vais surtout aller chercher le poisson. Et là. Oh! Eh ben voilà, fallait pas aller très loin. Attention démon. Normalement là elle est morte. Voilà, magnifique. Par contre, il ne m'en a donné qu'une. Ça, c'est bien triste. J'ai pas mis les palmes et voilà. Allez, bon, on est reparti. Je vais faire le tour. C'est d'en trouver. Dommage que les flèches, je sais pas, les flèches, elles fonctionnent sur le requin ou pas. Oui, je suis en train de le faire, la flèche. Ah, ok. Bon, y a beaucoup de ressources. On va surtout un peu regarder. Aide-toi. Qu'est-ce qui se passe? La flèche, c'est pas un bon rebond plan. Est-ce que la prédiction de la malédiction du toxique s'est révélée juste? Au barbecue le toxique. Au barbecue le toxique? Oh, regardez-le! La malédiction s'est accomplie. La malédiction s'est accomplie. Là, 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 là. Alors là, franchement, ah, voilà le lit. Hop. Alors sur la prochaine île, il nous faut trouver des marrons. Des marrons? Ah oui. Pour faire de la dinde aux marrons. Mais alors toxique, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu t'en rends même pas compte, mais tes jours sont comptés, petit. Ouais, c'est ça, hein. Attends, j'ai un petit problème. Bon, voilà. Désolé, petit problème technique à la maison.
Donc, nous disions de la dinde au marron. Ouais. Non, moi je pense vraiment qu'il faut absolument trouver une solution pour. La dinde au marron est une excellente solution. En plus, tu verras, c'est nourrissant, c'est bon, c'est agréable. Ah, d'accord. Je vais me refaire un arc vite fait parce que je vois que le mien est presque mort. Allez, voilà. Je refais un arc. On est parti. On va explorer tout ça. Vraiment, là, l'idéal serait de tomber sur un ou deux petits poissons globes. Peut-être des grottes aussi autour de cette île, je ne sais pas. Ah, t'es tombé sur un poisson là. Ou c'était celui d'avant? Je suis tombé sur un truc empoisonné en tout cas. Oui, je vois que là, il y a du poison là en bas. C'est peut-être un poisson qui a explosé près de toi. Oui, c'est vraiment, vraiment sympa, hein. Très joli. Un petit peu de métal. Limite, je vais te laisser récupérer les ressources pour l'instant. Je vais pas m'arrêter là-dessus, je vais juste faire le tour de l'île. Va chercher ça. Hein. Ah, j'en ai aux fesses. Je l'ai vu. Voilà, de une. Non, ah, j'ai raté. Hein? Comment ça? Voilà. En fait, quand c'est trop loin, je pense que la flèche. Voilà. Elle a vraiment une sale tête. De quoi? Il y en avait un deuxième? Oh, il y en avait un deuxième. Aïe, 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 non, pas la malédiction, non. Ouf. Oh, j'ai eu trois substances visqueuses sur ce poisson-là. Magnifique, ça. C'était un vicieux. Et je sais pas si c'est lui qui a explosé encore après, mais il m'a mis cher. On va boire un coup, on va mettre full. Alors maintenant, s'il y a le requin qui me tombe dessus. Pas bien. Bien surveillé. Bon, ben on va continuer à chercher. Hein. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est beau. Continuer encore et encore à fouiller. Regardez ici. Je peux descendre très profond. Là, il y a deux caisses pleines de métal. Oh là là là, regardez-moi tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Ici, je dirais comme ça, 2, 3, 7, 10, ici 15, un peu plus de 15, 18 de métal au même endroit, quoi. C'est vraiment un truc de fou, ça. Incroyable. Et deux caisses. Oh là là. Et ici, il devait y avoir une caisse que démon a pris, je ne sais pas. Peut-être. J'ai déjà pris une caisse, en effet. Ouais. Un peu plus bas, il y a tout plein, tout plein, tout plein de métal. C'est incroyable. Ah ok, bon, on est au même endroit, j'allais dire. Je suis à un endroit où il y a du métal, c'est... Oui, mais oui, c'est ça. Je crois 18 ici. C'est fou. Toutes les ferrailles. Ah, vraiment sympa. On va faire remplir les stocks là. On en a déjà pas mal en plus. Je suis occupé à grid. Comme dirait Harry. Juste, hein.
tout juste, tout juste. Il y en a encore ici. Bon, je profite, hein, pour ramasser un max. Voilà, bon, on va continuer un petit peu. La nuit tombe. Je vais continuer encore un tout petit peu. Bon, et bien voilà. Le soleil se lève tranquillement. Retourne au bateau. J'ai fait fondre la poudre là. On va pouvoir faire 2, 3 bonbonnes. On va ranger ça ici. Comme ça, on aura de quoi aller chasser le lama. J'aurais bien aimé aussi. Alors, j'ai pensé à faire la marmite qu'on n'a toujours pas fait. Et je pense que je vais mettre ça ici à côté. Je ne sais plus si. Ah non, ça va. Vu qu'on peut, on peut afficher les plans dessus. Je vais mettre ça ici, hein, à côté du barbecue. Mettre ça vraiment sur le bord, laisser un peu de place quand même. Voilà. Magnifique. Et du coup, maintenant. Quand tu accroches les plans, essaye de bien les coller pour en mettre un maximum. Tout à fait. Voilà, parce que là, voilà, on va devoir. Je vais essayer de les mettre voilà, le plus au bord possible. Voilà, de 1. De toute façon, il me laisse pas le faire comme je veux. Hein. Je peux pas le mettre trop près en fait. Très embêtant. J'aurais bien aimé le mettre plus collé, mais. Je peux pas le mettre plus haut non plus. Voilà. Je mon pense avis, pas que je puisse en mettre un. Ah si. À mon avis, il y a le poisson. Le poison qui vient de pondre. Le poison qui vient de pondre. Ah, est-ce que tu parlerais pas de toxique là? Pas ce qu'il te fait dire ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le vilain? Gentil toxique. Regarde-moi, il m'arrive rien, moi je suis gentil avec toxique. Quand il dort, oui, il est gentil. Donc du coup, bah voilà, on a nos petites recettes. On va pouvoir cuisiner un petit peu. Voilà les planches, tac. Ça c'est bien. On commence à manquer de bois là. On a encore un tout petit peu de bois. Il reste un stack de réserve et moi un petit stack sur moi. Donc on va devoir peut-être sûrement repartir plus loin. Mais avant toute chose, on ira chercher le lama. Mais on en est déjà à une trentaine de minutes. J'essaie de vous faire les épisodes un peu plus courts. J'ai coupé la poire en deux. Certains me disaient que 45 minutes c'était trop long, d'autres me disaient 45 minutes c'est pas assez, c'est très bien. Donc voilà, je pense que 30 minutes c'est pas mal. J'essaie de condenser un maximum, donc là sur 30 minutes vous avez, ça fait depuis combien de temps? Une heure et demie? Une bonne heure de jeu? Quelque chose comme ça, avec toutes les coupures, facilement. Hein. Ouais. Il a lancé la cuisson. T'as lancé la cuisson? Non. T'as plus qu'à la lancer, j'ai dit. Ah voilà, tous les ingrédients se mettent dedans. Et on est bon. On n'a plus qu'à attendre que ça mijote. Magnifique. Et pour ça, je pense qu'on va devoir se faire les bols, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Ok. Il faut l'argile. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, malheureusement, ben, la malédiction s'est avérée juste. La prédiction. Encore le vilain, mais il croque des bouts de bateau partout, quoi. C'est incroyable. Il nous lâche pas. Hein. Puis quand on est occupé sur l'île, bah, il vient croquer aussi. Hein. On va réparer ça vite fait. Donc oui, la malédiction, malheureusement, la prédiction s'est avérée juste. J'espère que nos malheurs s'arrêtent là. A priori, tant qu'on ne meurt pas tous les deux, on pourra continuer cette aventure. Pour la bonne santé de Toxic, vaudrait mieux. Oui. Bien, allez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas, hein, un petit commentaire,
des petits pouces bleus. Et prenez soin de vous. Et bonne fin de journée. Ciao, ciao.